Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief de l'Olympique Lyonnais qui ont joué aujourd'hui et qui se sont imposés face à Montpellier sur le score de 3-2. Qui c'est qui a marqué déjà? Ah oui, c'est Martin Terrier, Moussa Dembélé, Nabil Fekir. Ah non, il a raté le penalty, merde. Mais non, Nabil Fekir, faut pas rater de penalty. Bon, c'est pas grave, je te pardonne. On a gagné, t'es pardonné. Et but de Oussem Aouar. Et pour Montpellier, c'est... Je m'en fous, en fait. Je suis pas pour Montpellier, je suis pour l'OL. Bref. Les Lyonnais se sont imposés 3-2. Yes! Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais! Wouh! On a gagné! Enfin une victoire après mes deux précédents débriefs, mes deux premiers où l'OL avait fait match nul face à Strasbourg 2-2 et quand l'OL a perdu 5-1 face au Barça. Bon, face au Barça ça a été compliqué, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, de quel joueur on peut parler? De Mathieu Gorgelin. Non, Mathieu. Tu peux pas prendre des buts, autant de buts qu'Anthony Lopez. Certes, Anthony Lopez, c'est un très bon gardien, titulaire indiscutable, international portugais, tout ça. Mais toi, t'es pas un débutant. T'es pas comme un débutant sur FIFA 19 ou je sais pas. Non, t'es un gardien professionnel, certes remplaçant, mais t'es gardien. Tu dois avoir de l'expérience. Te demande pas d'être aussi fort que, je sais pas, comme Manuel Neuer ou Gianluigi Buffon à son temps, mais voilà. Donne ce que tu peux au moins, montre un peu d'expérience, bordel de merde. Maintenant, de quel joueur on peut parler? Je vais plutôt parler de l'entraîneur Bruno Genesio. Bruno Genesio. Bon, certes, Mapouyanga Mbiwa, peut-être qu'il a plus autant le niveau que ça, mais tu mets en défense centrale Kenny Tété, j'allais dire tête. Je sais pas. Il me semble qu'il y avait Jérémy Morel. Je sais plus s'il y avait Jérémy Morel, mais t'aurais dû mettre au moins Jérémy Morel. Pourquoi tu mets Kenny Tété en défense centrale alors que de base il est arrière droit? Je sais pas, c'est comme si tu mettais Moussa Dembélé en défense centrale. Non. Fais mieux que ça. Ou alors, quitte à ne pas prendre Mapouyanga Mbiwa, si tu veux, prends un défenseur central de la CFA, mais même pas Kenny Tété en défense centrale. Qu'est-ce que tu nous fais, Bruno Genesio? Ah là là. Tes tactiques ne sont pas toujours les bonnes, hein. Bon, t'es pas le pire entraîneur, mais en tout cas, t'es loin d'être le meilleur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Hein. Mais je dis pas que t'es mauvais. Hein. Bon, après, bon, les supporters, ils te kiffent pas trop, ils veulent que tu partes. Après, ben, moi, je respecte. Hein. Peu importe ce qui se passe dans les défaites, les victoires, je respecte l'Olympique Lyonnais quoi qu'il arrive. Mais voilà. Alors, de qui d'autre aussi? Il y a qui d'autre? Moussa Dembélé. Ah, toi, je t'adore, Moussa Dembélé. T'es un très bon... J'allais dire un très bon défenseur. Non, t'es un très bon attaquant. T'as marqué ton 12e but en Ligue 1. Ouais, j'ai dit 12e. Ouais, 12e. Bien joué. Et Nabil Fekir. Non, Nabil Fekir. Faut pas rater de penalty. T'aurais dû faire Nabil fait tout sur le penalty. Pas Nabil fait rien et manque le penalty. Ah là 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 là. Et bon, comme je l'ai dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est la victoire. Fier des Lyonnais. J'ai été même fier face au Barça malgré la lourde défaite parce que ils sont allés très loin en Ligue des Champions.
Et là, je suis fier parce que là, on est devant Saint-Étienne et aussi devant Marseille. Mais bon, Marseille, c'est pas trop un grand rival. J'ai même un peu. Ouais, quand même pas mal de respect pour Marseille, pour Saint-Étienne. Non. Saint-Étienne, c'est le gros rival de l'Olympique Lyonnais. Et allez l'OL, c'est tout, hein. Bon, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Surtout les commentaires sur les joueurs et l'entraîneur, tout ça. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre ce pouce-là et à lâcher un commentaire, hein. Allez, tchao, bye!